Femme de lettres et poète réputée, Aimée de La Rochefoucauld s'intéressa également à la peinture et prit des leçons auprès du peintre symboliste Lucien Lévy-Durmer. Elle représente ici Paul Valéry, avec lequel elle s'est liée d'amitié et qui, depuis son élection à l'Académie française en 1925, est devenu un auteur consacré du monde des lettres. Élégant, vêtu d'un costume clair, l'index posé sur la joue, il pose avec naturel, assis dans un fauteuil. Loin d'être replié en lui-même, dans l'attitude du penseur, le modèle porte au contraire toute son attention vers l'extérieur. Une touche large, juxtaposée et généreuse, anime son regard et les traits de son visage. Lèvres à peine entrouvertes, mèches de cheveux grisonnants légèrement déplacées, Valéry est dans l'attitude de la conversation, art dans lequel il excellait. Ce portrait figurera par la suite en couverture du livre « Images de Valéry » qu'Aimé de La Rochefoucauld consacra à son ami.